Coucou les scrappeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo ouverture de courrier. Et voilà, je suis très à la bourre. J'avais encore des courriers de mon anniversaire, je n'avais pas ouvert. Les filles, vous m'avez écrit, je n'ai pas ouvert. Parce que, voilà, vous le savez, ou pas, ou que je suis un peu débordée. Voilà. Alors, je vais finir d'ouvrir le grand colis de Stéphanie. Voilà, je vous rappelle que Stéphanie, elle m'a fait un calendrier de l'Avent avec plein de breloques. Vous voyez, il y a déjà toutes celles-là que j'ai ouvertes. Mais je les mets là pour l'instant, mais je les rangerai après. Un joli petit comme ça calendrier ou swap avec plein de breloques. Hein. Voilà, donc je vais ouvrir le reste. Je me tourne. Voilà, donc je suis hyper en retard, mais c'est vrai que voilà, j'étais un petit peu débordée. Comme beaucoup, hein, c'est vrai, des fois vous me demandez comment tu fais pour faire autant de scrap, la maison, le boulot. Ben, y a des fois où, voilà. Je sais que vous attendez, donc je m'y attelle. Allez, numéro 13, elle m'a mis une magnifique breloque. Regardez, c'est un petit pot à crayon. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, je l'ai mis dans la petite enveloppe. Hop, numéro 14. Un magnifique petit signe. Alors, elle m'a dit qu'elle les avait achetés sur AliExpress. Des petites breloques, si jamais vous étiez intéressé pour faire des jolies choses comme ça. Elles sont trop belles. Ça, un petit arrosoir. J'adore les breloques. Mais je m'en sers jamais, hein, parce que c'est évident que jamais vous recevrez une créa avec une breloque à moi sur une créa. Hein. Voilà. Des petites ailes, trop mignonnes. Allez. Un magnifique flocon de neige. Très beau. Vraiment. C'est vraiment super joli. C'est une très bonne idée en plus. Voilà. Et puis en plus, c'est réutilisable. Donc après, voilà. Le petit calendrier Stéphanie en numéro 18. Regardez cette magnifique breloque. Avec plein de couleurs. Voilà, c'est très beau. Je te remercie encore vraiment, Stéphanie. C'était vraiment super sympa comme idée. Oup, hop. Alors, elles sont là, mais je vais les mettre. Vous rappelez ce tube que j'avais eu sur AliExpress? Je me posais la question, ce que j'allais en faire. Eh ben, j'y ai mis des breloques, des tas de choses. Donc, je vais mettre après les breloques que Stéphanie m'a offert. Voilà, ça, c'est sa petite carte. Et puis, son cadeau, parce qu'elle ne m'avait pas fait ça, elle m'avait fait un autre cadeau. Voilà, pour le 19, mon anniversaire. Voilà, alors il y a déjà un magnifique set de table qui est très beau, qui va pouvoir me servir pour faire mes fonds de photos, des choses comme ça. C'est très joli. Vous voyez, regardez comment c'est trop beau. Moi qui n'ai que un en bois, eh ben, je mets ça parce qu'il y a beaucoup trop de soleil. Regardez comment c'est trop joli. Hein, ça va pouvoir me faire un joli petit set, il est magnifique. Hein. Et puis, elle m'a offert un magnifique die horloge. Alors, je l'ai déjà, Stéphanie, mais je l'offrirai au prochain. Je le mets de côté. Et la prochaine fois que je fais un petit concours sur ma chaîne, parce que j'en fais au fur et à mesure, si ça ne te dérange pas, c'est très gentil de ta part. Je le mets hop dans mes petits die en double. Et je le ferai gagner à une de vous. Merci Stéphanie. Elle m'a fait une magnifique... Alors ça, c'est une petite poubelle, je suppose, de table. Alors ça, c'est trop chouette. Ça, je vais la mettre quand je vais en atelier le samedi avec mes copines. Parce qu'on n'a pas beaucoup de poubelles. Et voilà, c'est trop chouette. C'est super sympa. Merci. Hein, toute doublée, toute jolie. Trop jolie. Ça, je vais la mettre dans mes affaires pour aller... en atelier le samedi avec mes copines. Merci Stéphanie. Et puis elle m'a fait une petite boîte. Alors elle s'ouvre. Oh, c'est chouette ça pour offrir un crayon. Ah ben c'est un crayon. J'aime bien ton idée de petite boîte là. Ça c'est sympa.
Tu me diras, Stéphanie, si tu as vu le tuto chez une des filles. Hein? Sinon, je ferai le tuto sur ma chaîne. Bon, tu l'as peut-être vu, hein, mais si ça date de hyper longtemps. Ça, c'est trop chouette parce que moi, j'ai plein de petits crayons que j'achète d'Action pour offrir. Et ça, je trouve ça trop chouette. Vraiment superbe. Stéphanie, elle nous met le lien en barre. Comment? Peut-être c'est aussi scrap à lunettes. Tu avais repiqué l'idée du calendrier comme ça, enveloppe. C'est trop chouette. Et un magnifique crayon. Alors, hop. Ah non, c'est pas un crayon, c'est un cutter. Je suis en train de me dire. Il est bizarre. Non, c'est un petit cutter. Alors, je vais prendre un petit... je vais prendre le carton. C'est peut-être pas fait... Ah oui! Ah oui, il coupe très bien en plus. Hein. Waouh, super, un petit cutter de précision. Alors ça, c'est super chouette. C'est trop chouette, trop sympa. Parce que moi qui découpe beaucoup, qui adore tous les doudous, les machins comme ça, quand j'ai des petites choses, eh ben ça, c'est super sympa. Merci Stéphanie, vraiment, c'est super sympa. Tu es vraiment super sympa. Allez, je continue. J'ai reçu aussi un colis, un gros colis. Alors ça m'a fait trop rire parce qu'il était... je l'ai reçu hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et du coup, alors c'est marrant, c'est quelqu'un qui m'a envoyé d'une boutique et qui me met joyeux anniversaire avec un peu de retard. Signé Fifi. Alors, j'ai cherché qui est Fifi parce que j'ai pas de fille que je suis proche sur YouTube, tout ça, qui s'appelle Fifi. Donc, heureusement, ce matin, elle m'a mis un petit mot en me disant « Est-ce que tu as reçu mon colis ?» Ça me dit que tu l'as reçu, mais tu m'as pas dit. Bah oui. Donc, c'est Philomène. Bah oui, mais Philomène et Fifi, voilà, je savais pas. Alors, je vous le montre parce que je l'avais ouvert, parce que je savais pas du tout ce que c'était. Magnifique. Regardez. Alors, ça, c'est du cadeau. Il y a vraiment des filles, vous êtes vraiment sympas. Un magnifique mug, et vous le savez, j'adore les mugs. Et donc, c'est écrit, je peux pas, j'ai scrap. Vraiment, je te remercie. Donc, Fifi, je pense que c'est ton pseudo. C'est vraiment super sympa. Merci, hein, vraiment, fallait pas. Hein, faut pas m'offrir tous ces cadeaux, tout ça, pour mon anniversaire et tout, parce que... Je vais pas dire que je le mérite pas, quand même, hein, parce que sinon... ça serait pas sympa de dire que je le mérite pas. Allez, j'ai encore des lettres que j'ai reçues et il y a déjà quelques temps, hein, mais je voulais prendre le temps de le faire. Et puis avec, voilà, pour être en congé pour le salon, il fallait forcément que je travaillais un peu plus les jours d'avant. Donc c'était pour mon anniversaire et c'est Fanfan 4 Scrap. Voilà, qui me souhaite un bon anniversaire. Merci à toi, c'est trop gentil. Regardez, avec une magnifique poupette, c'est trop gentil. Merci Françoise, hein, d'avoir pensé à moi pour mon anniversaire, c'est trop sympa. Après, j'ai reçu de Marie une enveloppe. Je regardais, hein, parce que alors. Waouh, avec plein de découpes. Non mais quelle idée. Alors, Shanghai. Alors, je comprends pas parce que qui c'est qui m'a... Je suis un petit peu déroutée parce que je devais recevoir, j'ai une fille ce matin qui m'a dit qu'elle devait m'envoyer pour faire une carte. Et par rapport au groupe de de Natacha. Et là, je vois que c'est ça, mais c'est pas du tout le même nom. Bon, ceci dit, c'est pas grave. Donc, je suppose que c'est ça. J'ai envoyé le kit. Moi, je comprends plus rien. Vous savez, je suis vraiment déroutée. Je vais regarder sous le groupe de Natacha parce que je devais envoyer... mais pourquoi il y a une fille qui m'a demandé si j'avais reçu son colis? Alors, si elle ne porte pas le même nom sur YouTube que ça, c'est peut-être pour ça. Alors, je vais m'en occuper, je vais regarder. Donc, on devait recevoir un kit. Mais non, pourtant, ce n'était pas du tout cette fille-là qui devait me l'envoyer. Bon, je vais regarder, je vous remontrerai. Hein. On devait recevoir un kit, faire un kit pour faire une enveloppe. 25, ça pourrait correspondre. Hein. Je vais regarder, je vous le remontrerai parce que si c'est elle, mais c'est pas du tout... Alors, les filles, et je vous en prie sur vos enveloppes et tout ça... Mettez vos pseudos et tout si jamais c'est un truc particulier parce que
Puis c'est cette fille qui porte pas le même nom, qui m'a demandé si j'avais reçu, je lui ai dit non. Et puis en fait, c'est cette lettre-là qui est là depuis un petit moment. Mais c'est pas du tout même nom ni même prénom. Bon, je m'occupe de ça, je vous montrerai plus tard. Alors là, c'est B. Et bien comme ça, je suis bien avancée. Et qui me fait... Pourquoi m'envoie tout ça? Oh, c'est trop beau. Des petits chats, des petits chiens. Mais qu'est-ce que je vous fais pour mériter tout ça? Bon anniversaire avec une carte de checker. Trop bien. Vous savez, c'est le mois du checker sur ma chaîne. Je n'en ai fait... Je n'ai fait qu'un truc. Parce que je n'ai pas eu le temps, mais ça me tarde. Regardez-moi son beau checker. Heureux comme un poisson dans l'eau. Bon anniversaire. Oh, ancienne. Donc, c'est Béatrice. Oui, tu m'as déjà écrit. Hein. C'est trop, trop gentil. Merci. Hein. Quelques bricoles trouvées à Nose. Oh, elle est trop, trop belle, ta carte, checker. Voilà, regardez. Franchement, hein, très belle. Hein. Vraiment super sympa. Elle check, elle fait du bruit. Elle est superbe. On en fera, je vais faire le tuto. J'ai pas eu le temps, peut-être demain. Elle m'a mis plein de breloques. Regardez encore des belles breloques. Pan. Justement, j'ai marqué sur le groupe que je voudrais bien aimer avoir le petit tampon breloque. Voilà, ça, c'est des embellissements. C'est trop chouette. Donc, toi, des plumes, elles sont magnifiques. Regardez, il y a un petit bout d'argenté au-dessus. Mais c'est trop chouette. Hein, vraiment superbe. Des petits chiens et des petits chats. C'est trop mimiche. Merci, mais faut pas m'envoyer tout ça. Et puis encore des breloques autocollants, stickers, ouais, mais en métal. Voilà. Trop, trop gentil. Bah écoute, merci. Merci Béatrice. Ta carte checker est sublime. C'est trop, trop gentil. Trop chouette pour mon anniversaire. Bon, ça me perturbe. Hein. Je vois absolument dès que j'ai fini cette vidéo, ce courrier que j'ai. Parce que la fille, elle me dit t'as pas reçu, mais c'est pas ce prénom, c'est pas ce nom. Alors, c'est sûr si elle n'a pas envoyé enfin. Allez, une petite lettre, un petit mot de Ève. Ève, elle m'écrit très régulièrement. C'est trop. Oh, elle est trop mimiche. Regardez, la TC, elle est trop, trop belle. Oh, c'est trop gentil. Elle m'écrit très, très, très souvent. Bon, pas de souci, Eve. Je t'en renverrai une. Elle est trop, trop belle. Trop jolie. Merci, Eve Créa. Elle est trop gentille, trop belle. Merci de ta petite ATC. Elle est trop, trop mimi. Vraiment. Et puis, j'ai reçu un deuxième. Puis après, j'aurai terminé avec mes colis. Mes courriers en retard. Ne m'écrivez plus que je ne... Que sinon, je suis hyper en retard. Alors, je l'avais ouvert parce que c'était une grosse lettre. Voilà, avec un colis et tout ça. Et du coup, je pensais que c'était une... en fait, je pensais que c'était... vous savez, quand on commande sur AliExpress, il vous renvoie plein de colis. Parce qu'à l'intérieur, il y a plein de colis AliExpress. Donc, c'est de la part de Marie-France. Donc, elle a utilisé pour protéger des petits colis AliExpress. Du coup, j'ai cru que c'en était... Oh, elle est trop jolie. Et voilà. Alors, je vais regarder tous les petits... Qu'est-ce que c'est que tout ça, tout ça? Oh, il est trop beau! Oh, j'adore! Regardez. Donc, c'est Marie-France. C'est trop joli. Alors, ça, j'aime bien ce die-là. Regardez comment c'est joli. Voilà. C'est trop beau. Elle m'a mis le petit mot. Ah, tapez à la machine comme ça! T'es pas en avance, mais alors moi, je suis hyper en retard pour ouvrir le courrier. Donc, c'est pas du tout grave, hein. C'est très gentil. Merci, Marie-France. Ouais, j'aime bien ce die. Il y a comme ça, fermeture éclair, là. C'est trop, trop joli. Ton ATC est magnifique, superbe. En plus, elle m'a fait une checker très belle. J'en avais jamais reçu des comme ça. Une checker T. Trop, trop jolie. Il est vraiment superbe, ton dies. Ah, puis après, du coup, elle m'a fait plein de petits colis. Vous voyez, elle a recyclé les colis de chez AliExpress. Donc, c'est très, très gentil. Faut pas m'offrir tous ces colis. Hein. Vous arrêtez de m'offrir des trucs parce que
Après, au bout d'un moment, on s'en gênait quand même. Hein. Du joli ruban vert. Très chouette. Merci. Ça fait comme quand je suis chez... on reçoit notre commande AliExpress. On a plein de petits colis. Mais il n'y a pas besoin. Du bleu. C'était bien protégé en tout cas. Hein. C'est pas du tout abîmé ni rien. Ah mais il y en a même encore une autre. Là, je vois d'ATC. Oh, des petits... vous avez vraiment des chouettes avec vos noses, là. Vous m'énervez avec vos noses. Oh, je trouve ça trop beau, ça. Regardez, c'est des petits autocollants Puffy. Sur le thème des bébés. Oh, c'est trop joli. Ça, c'est des petits marque-pages en carton. Ça aussi, c'est trop, trop chouette, vraiment. Oh, vraiment... Oh là 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 là. Là, il y a une autre... Oh, trop beau. Oh là 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 là, j'adore. J'adore. Alors, une checker, on va en faire. J'ai prévu, hein, un checker. Mais regardez la checker, elle est trop belle. La checker cake, cheesecake, cake. Trop, trop chouette. Ah, superbe. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Allez, encore un petit coup. J'adore. Ah, oh, c'est trop, trop chouette, hein. Elle m'a fait tous ces petits paquets. Non, mais j'ai bien fait de les ouvrir pas tout de suite. Comme ça me fait encore des petits cadeaux. Elle m'a... Alors, c'est qui, c'est toi ou c'est qui me les avait offerts juste avant? Tu me les as pas mis deux fois, non, quand même. T'as eu lieu de pas à ce point-là. Ah bah, du coup, super. Comme ça, je vais pouvoir peut-être les utiliser parce que je les ai deux fois. Vous savez, quand on n'a qu'une fois un truc, on les utilise pas. Très, très chouette. Super, et celles-là, elles sont magnifiques. Avec le petit paresseux, regardez. Oh, c'est trop, trop gentil. Merci, vraiment, merci, merci, merci. Marie-France, oh là là là, vous êtes des amours quand même, franchement. C'est heureusement que mon anniversaire n'est qu'une fois par an, hein, parce que vous êtes les pauvres, vous allez... Oh, c'est trop mignon. Il faut que j'arrête de vous saouler avec tout ce que je veux. Elle est trop belle. Je crois que je ne l'ai pas. Je ne sais pas. Elle m'a envoyé un superbe die pour Halloween. Waouh. Il est chouette. Bon, je vais le ranger dans mes affaires d'Halloween. Dans un joli petit sac en plus. Plein de petites étoiles et tout. C'est trop, trop gentil. Marie, merci. Marie-France, oui, c'est Béatrice qui me les a envoyés. Donc, je les ai deux fois, mais c'est pas grave du tout. Vraiment, je vous remercie, les filles. C'est super sympa. Je peux pas, j'ai scrap. Je vais aller me faire un thé. La magnifique, tout ça, tout ce que vous m'avez envoyé. Vraiment, c'est super joli. Et puis, mais j'adore. Vraiment, trop, trop de belles choses. Je vous remercie encore. Et puis là, il faut que je règle le mystère de cette enveloppe. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas dû voir, hein, que je me suis... J'ai yoyoté ou il y a eu un machin. Voilà, je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous remercie encore de tous ces cadeaux. Hein, vraiment, Béatrice, Marie-France, j'ai mangé Stéphanie, voilà, j'étais plus sûre. Françoise, ta petite carte. Et puis là, ben, je vais voir Marie, je vais voir... parce que je suis sûre que c'est pas toi qui m'a demandé... C'est pas toi qui devais m'envoyer la carte, ou alors... Je me suis trompée. C'est pas grave. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.